C'est quoi ça? Un perruchin. Pardon? C'est le nom de jeune fille de la grand-mère de Jonathan. C'est elle qui lui a donné la vocation pour la pâtisserie. Alors, pour lui rendre hommage... Excusez-moi, j'achète un gâteau, pas un roman. Et à l'intérieur? Pardon? Dedans. Dedans? Pardon. Nous avons crème au beurre, fruits de saison et topinambour confit. Et c'est quoi ça? Un carté recto. Et dedans? Il y a une ganache pralinée avec une mousse d'abricot, un soupçon de génoise et un glaçage chocolat. Et celui-ci? Un carté verso. Et dedans? Une ganache chocolat avec une mousse de génoise, un soupçon de praliné et un glaçage abricot. Ce n'est pas un peu comme l'autre? Si, tout à fait, mais dans le désordre. Et ça, quoi c'est? Un FLNC. Et? Dedans, flan, liégeois, noix, cacao. Et dedans? Je viens de vous le dire. Bonjour les gens. Bonjour le nono, ça va? Oui, Katia, ça va. Bonjour, monsieur, dame. Oh, madame Rivière. Alors, vous avez choisi? Mettez-moi un éclair au café, un malabar et une demi-ficelle. Vous n'avez pas de monnaie? Ah si, mais je la garde. Ce sera vraiment beau, au pardon de la Saint-Geoffroy. Je pense y aller avec mes nièces. La kermesse y est toujours fraîche, généreuse et tellement joyeuse. Au revoir. Madame. Qui c'est celle-là? Madame Toison. Elle vient pas souvent, mais on s'en rappelle. Tu veux quoi, mon nono? C'est ma mère. Elle m'envoie chercher le pain pour la soupe. À mettre sur la note. Tu diras à ta mère que cette note s'allonge, hein? Mais on va te le donner, ton pain pour ta soupe. Laetitia, mon petit, fais donc un sac pour nono. Bien, madame Katia. Madame Rivière, et voici votre spécial du dimanche. Le flamboyant framboise pour 10 personnes. Oui, mais pas aujourd'hui. Pardon? Je préférais prendre une tarte aux fruits. Et le flamboyant? Le flamboyant? Oui, enfin vous savez bien, ça fait tous les dimanches depuis longtemps qu'on vous le fait, le flamboyant 10 personnes. Oui, mais là, pas aujourd'hui. Ça fait au moins 6 ans qu'on vous le fait, le flamboyant 10 personnes, hein? Dites pas non, la première fois, c'était pour votre dernière, hein? Celle qui a été fiancée par le grand dadé. Oui, qui travaille au pain d'Hermarché à la poissonnerie. C'est pas vrai, ça? Si, si, c'est exact, mais le flamboyant, c'est plutôt mon mari, et là... Et là quoi? C'est pas mon problème, madame Rivière, hein? Parce que le flamboyant 10 personnes, je vois pas dans la clientèle qui c'est qui va m'acheter. C'est une belle pièce, hein, pas facile à refourguer, madame Rivière, hein? Ah non? Faut me le prendre, madame Rivière, hein? Mon mari, il est parti, là, et alors ça me rappelle... Mais on s'en fout de votre mari, madame Rivière! Moi, ça fait 6 ans que mon Jonathan, tous les dimanches, il vous le fait, votre flamboyant 10 personnes! Tous les dimanches, et qu'à midi 15 tapante, vous venez le chercher avec votre tête sournoise et votre chemisier ridicule! Mais je ne vous permets pas! Quoi? Tu ne me permets pas? Vous savez pas, vous, ce que c'est que le petit commerce? Qu'on se lève à pas d'heure et qu'on se couche bien plus tard. Et qu'il faut être aimable avec tout le monde. Et qu'on a inventé le concept. Un gâteau. Une histoire pour vendre de l'émotion, qu'il a dit Jonathan. Et qu'il faut maîtriser les notions de mâche, de croquant, de texture, de fondant. Et j'en passe. Vous savez pas ça, vous, qui êtes fonctionnaire. Tiens, nono, l'attends pas. Madame Cacho, mais qu'est-ce que vous faites? Passe-moi le dévidoir, que je la ficelle, elles sont flamboyantes. Mais madame Cacho... Toi, ta gueule, tu tiens ton CDD? Et toi, nono, lâche ton iPhone tranquille, va pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Prends des bonbons, c'est cadeau. Allez, oust, rentre chez toi et dis à ta mère pour sa note. Allez, oust. Bonjour. Et vous, qu'est-ce que je vous mets? Cinema.